السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. واليوم إن شاء الله غادي ندير معكم فرض من فروض المراقبة المستمرة بالنسبة للثانية إعدادي، اللغة الفرنسية، الفرض الثالث اللي كيخص الكومبريونسون لونغي كومينيكاسيون، وغادي يبقى لنا الفرض الرابع اللي هو كيخص لا برودكسيون إكريت. اليوم إن شاء الله غادي ندير معكم هذا الفرض، غادي ندرسوا لا كومبريونسون ولا لونغ إي كومينيكاسيون. دائما في القراءة ديال النص في القسم اللي كيكون عندكم الفرض، دائما قراوا النص بشكل متأني وبتمعن. إذن لو 3 جويي 2018 à 18h، un Marocain en France. Mohamed a immigré en France en 1998 pour chercher du travail. Au début, pour ce Marocain, la vie était difficile en France. Mais jour après jour, tout va bien pour lui. Le journaliste. Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Mohamed, je vous en prie. Le journaliste. Alors, on va commencer tout de suite si vous le voulez bien. Ça fait combien de temps que vous habitiez ici? Mohamed, je suis arrivé il y a 20 ans maintenant. Le journaliste. Et votre pays ne vous manque pas trop? Mohamed, si, un peu. Mais j'ai fait ma vie ici. Le journaliste. Pourquoi avez-vous choisi de venir vivre en France? Mohamed. Eh bien, je pensais que je trouverais un bon travail et que ce serait plus facile. Le journaliste. Et vous ne regrettez pas votre choix? Mohamed, je n'ai pas à plaindre. Je n'ai aucune raison d'avoir de regrets. Et puis, je rentre tous les étés pour voir ma famille. Donc, ce n'est pas si dur que ça. Le journaliste, quelles sont les difficultés que vous avez envisagées en France? Mohamed, au début, j'étais un clandestin. J'ai passé des jours et des nuits froides dans la rue. Je n'avais pas de travail. C'était très difficile. J'étais victime de racisme à cause de ma couleur et ma nationalité. Le journaliste. Comment vous avez dépassé toutes ces difficultés? Mohamed. Heureusement, la France a permis aux immigrés d'avoir des papiers. J'ai eu mes papiers, j'ai trouvé un travail, ensuite j'ai acheté une maison. Je me suis marié et j'ai eu des enfants, Dieu merci. Le journaliste. Est-ce que vous pensez rester toujours en France? Mohamed, je pense que c'est difficile à dire, mais un jour, je vais rentrer à mon pays, le Maroc. Le journaliste, je vous remercie d'avoir répondu à toutes mes questions. Mohamed, c'est moi qui vous remercie. www.podcastfrancisfacile.com. C'est bien. Donc, c'est le texte. Il y a les questions proposées ici dans la compréhension et après dans la langue et communication. Compréhension. La première question. Complète le tableau. Donc, il y a un titre de texte, la source, la date et l'heure. Titre de texte, ou un Marocain en France. Un Marocain en France. Donc, un Marocain en France. Pour la source web, www.podcastfrancisfacile.com. facile.com. Pour la date, regardez la date, c'est écrit ici, le 3 juillet 2018 à 18h. Le 3 juillet 2018 à 18h. La deuxième question, on tourne la bonne réponse. Le texte est, donc, une interview, ou bien un éditorial, ou bien une affiche. Donc, l'interview. Donc, c'est une interview. Pourquoi? Parce qu'il y en a, ici, dans le texte, question-réponse. Un journaliste pose des questions, et une personne, ou bien une star, donne des réponses. D'accord? La question suivante, toujours dans la compréhension, il y en a, répond par vrai ou faux. Mohamed est en France depuis 15 ans. Wesh Mohamed, hadi 15 ans ou en France. Non, c'est faux. Tu sais, ktar. Ah ouais, غادي نلقاو هنايا. الناس ولو قالوا ça fait combien de temps que vous habitiez ici? Alors je suis arrivé il y a 20 ans maintenant. Yani 20 سنة هذه. Donc faux. La phrase suivante, Mohamed a émigré en France pour chercher du travail. C'est vrai, oui. Il a émigré pour chercher du travail. Question 4, quelle est la nationalité de Mohamed? Donc, la nationalité
et marocaine. Donc, jinsia maghribiya. Ça fait? Question 5. Comment était sa vie en France au début? Kifesh kanet lhayat dialo fou France floul? Rejoignons le texte. Un chouffou rif had l'moukaddima hadif, le chapeau. Mohamed a émigré en France en 1998 pour chercher du travail. Donc, à d'abord l'objectif. Au début, pour ce Marocain, la vie était difficile en France. Là, la vie était difficile. Donc, la vie était difficile au début. D'accord. Question 6. Relevé du texte de difficultés envisagées par Mohamed. Radin jbed men texte juge diel soubat wajhat Mohamed fa fransa fa l'ouel diel. Nchoufou, le journaliste déjà soule hat soual hada, ou manaya. Quelles sont les difficultés que vous avez envisagées en France? Awa qallou, j'étais un clandestin. Chna wa clandestin wa moutacharrid. J'ai passé des jours et des nuits froides dans la rue. Je n'ai pas de travail. Donc, deux difficultés. Wa. Il a passé des jours et des nuits froides dans la rue. Il n'a pas du travail. D'accord. Donc, il n'a pas du travail. Première difficulté. Deuxième, il est clandestin au... bien, il était clandestin au début. Il était clandestin. Il est moutacharri au début. But, c'est-à-dire qu'il n'a. On passe maintenant à la langue et la communication. Suivez avec moi. Donc, fait correspondre chaque mot à sa définition. Une affiche, une interview, journal scolaire. Les définitions est un journal élaboré par les élèves. Une entrevue où journaliste pose des questions et une personne donne des réponses. Une image qui prend la totalité de la page accompagnée d'un texte. Donc, on a une affiche. Il y a une image. L'image qui prend la totalité de la page accompagnée d'un texte qui véhicule un message ou bien un événement ou bien, oui, un événement important, d'accord? C'est bien. Pour le journal scolaire, c'est un journal élaboré par les élèves. C'est bien. Une interview, c'est une entrevue où journaliste pose des questions. Une interview où un journaliste pose des questions et une personne ou bien une star donne des réponses ou bien répondre aux questions. Question suivante, complète la phrase par le localisateur qui convient le mieux. Donc, كل جملة غادي نكملها بلوكاليزاتور المناسب. عندنا au sommet 2, عندنا en face 2 et sur. Au sommet 2 يعني في اعلى مثلا الجبال في اعلى في القمة الى غير ذلك. En face 2 يعني وجه لوجه. En face 2 sur يعني على. Après à long effort, les alpinistes arrivent. Arrivent à quoi? Au sommet de la montagne. Au sommet de la montagne. C'est bien, Adimchas. Les affiches sont placardées, les affiches qui sont placardées, sur les murs. Sur les murs. Le professeur est en face du tableau. En face, qabel tableau. La troisième question, suivez avec moi toujours, donne des recommandations à ces personnages. On donne des recommandations et des conseils. Des enfants jettent des déchets dans la rue. Les enfants qui remettent le asbel dans le chalet. Donc, on a 4 طرق pour nous recommander. Imma kan stamlo l'infinitif, ou bien l'impératif, ou bien j'utilise le verbe je recommande, ou bien je conseille, ou bien j'utilise des expressions comme il est bon de, il est important de, il est nécessaire de, etc. Donc, des enfants jettent des déchets dans la rue. Donc, on dit, ne jetez pas les déchets dans la rue. Ne jetez pas des déchets dans la rue. Point d'interrogation. Donc, dit jumla amriya ketbda l'impératif présent. Un policier recommande à un enfant de respecter le passage piéton. واحد البوليسي كيوجه واحد l'enfant باش يحترم الممر الرجلي. Donc, غادي يقول له je te recommande de respecter le passage piéton.
Question 4 complète le tableau suivant. La situation. Une fille demande de sortir avec politesse. Une fille demande de sortir avec politesse. Yani khassni ndir l'énoncé kifash ghadi demander. Donc ghadi tqol imma madame ou la monsieur ou la mademoiselle. Qoulou mathalan monsieur. Monsieur. Monsieur, puis-je sortir? Puis-je sortir s'il vous plaît? S'il vous plaît, واش يمكن لي نخرج من فضلك. Donc il a utilisé monsieur comme titre d'honneur, s'il vous plaît comme expression qui exprime politesse. D'accord. Donc بهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص الفرد الثالث ديال la compréhension et langue et communication pour la deuxième année collégiale. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.